σου ότι εξαπάταξα στον κούλον αυτού ένα πολύ. Les dieux soient loués, te voilà. Un groupe de chasseurs a été attaqué hors de la ville, près des terres maudites de Deep. Il y a des survivants? Cet homme a vu des corps, mais il a aussi entendu crier. Il y a beaucoup d'animaux dangereux dans la région. Si quelqu'un est blessé, son temps est compté. Si quelqu'un a survécu, tu dois aller le sauver et abattre la bête dangereuse qu'il a attaquée. D'accord. Je vais tuer cette bête et trouver les survivants. S'il y en a, ramène-les-moi. Je ferai de mon mieux pour les sauver. La région ne manque pas de lieux où chasser. Où est-ce que je dois chercher? On les a vus suivre des traces près du rocher à tête de serpent. Tu sais quel animal les a attaqués? Je n'en suis pas sûr. Le rugissement a pu être poussé par différentes bêtes. De nombreux prédateurs vivent en baie aussi. Combien de gens est-ce que je vais trouver là-bas? Apparemment, un seul chasseur a survécu. Mais les gens aiment parfois chasser à trois ou à quatre. Je vais retrouver leur piste. Ce doit être ce qui reste de ce groupe de chasseurs.
Tu vas renverser quelqu'un. Je me sens faible. Il faut que je le conduise à Hippocrate avant qu'il se vide de son sang sur moi. Comment va le patient? Il survivra si je soigne ses blessures. Si? Cet homme est un monstre, un marchand d'esclaves qui traite si mal les gens que tous se mutilent pour éviter d'avoir à travailler pour lui. Si je l'aide, il continuera à les maltraiter. Si je ne fais rien, beaucoup de gens s'en porteront mieux. Peu importe ce que cet homme a fait, il mérite d'être soigné comme n'importe qui d'autre. Notre rôle n'est pas de juger les blessés ou les malades. Je sais que mon devoir m'impose d'aider cet homme, mais si tu avais vu certaines des blessures qu'il a infligées, tu comprendrais mes réticences. Aux quatre coins du monde grec, les innocents souffrent. Et si je libérais ses esclaves? S'il n'en a plus, il ne pourra plus les maltraiter. Et tu pourras le soigner sans te sentir coupable. Oui, je peux sauver cet homme, et tu peux l'empêcher de nuire. Notre bonté lui prouvera qu'il a choisi un chemin indigne et lui montrera la voie à suivre. Tu accepterais de faire cela pour moi? Bien sûr que je vais aller libérer ces esclaves. Merci, mon ami. Si les esclaves sont en danger, je dois me dépêcher. Par Zeus, sans toi, je crois que j'y aurais laissé ma vie. Heureusement que j'étais là. Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Épi. Enfin, Épizélos, mais mes amis m'appellent Épi. Même si, en vérité, je n'ai pas vraiment d'amis. Moi, c'est Alexios. Enchanté. Ma foi, tu as l'air de quelqu'un qui parcourt le monde.
Tu as l'air de quelqu'un qui... passe toute sa vie à lire. J'ai l'air misérable, je sais. Mais quand la découverte frappe à la porte, il faut bien lui répondre. Je possède une tablette mycénienne indiquant l'emplacement d'un site funéraire sacré. Je l'appelle la Grotte des Oracles. Tant mieux pour toi. Les Mycéniens étaient renommés pour leurs tombeaux raffinés, regorgeant d'objets précieux. Précieux comment ? Des bijoux anciens, des dagues et des épées de cérémonie. Donc oui, très précieux. Si tu m'accompagnes, je te montrerai. Après tout, comment décliner une promesse de fortune ? Le destin t'a placé sur mon chemin, et nous allons faire route ensemble. Le destin a parfois le sens de l'humour, tu sais. Oui, mais à moi, il m'a souri en arrangeant notre rencontre. Ravi de l'entendre. Alors, tu étudies le contenu des rouleaux ? Non. Enfin, oui et non. Je creuse aussi la terre. C'est le travail des paysans, ça. Pour découvrir notre histoire. Parfois, cette fois-ci, je l'espère, cela révèle des merveilles enfouies. Désolé de te dire ça, mais pour beaucoup, les pots de terre cuite n'ont rien de merveilleux. Moi, j'y consacre ma vie. Cela va bien au-delà des trésors à piller. Ah, vraiment ? Ça en dit long sur nous. Et savoir d'où nous venons indique où nous allons. Les érudits et leurs aînés. Certains se moquent complètement du passé. Ils veulent seulement voler et gagner quelques drachmes. Tu te rends compte ? Oui, c'est à peine croyable. Mes semblables ne sont que des chasseurs de trésors et des marchands d'art. Eh bien, tu as parlé de bijoux précieux. Les ruines et reliques d'autrefois sont très difficiles à trouver. Seules mes recherches et mes déductions m'ont permis de trouver celle-ci. Dis-moi plus sur elle. Les Mycéniens avaient des rites précis. Certains récits parlent d'objets créés par les dieux. Oui, les dieux aiment parfois fabriquer des choses. Pense-y, Mystios. Tu n'aimerais pas que les dieux te viennent en aide quand tu te bats ? Un bon guerrier n'a pas besoin de l'aide des dieux, ni de qui que ce soit. C'est vrai, oui. Mais pense à ce que nous pourrions trouver. Un objet merveilleux, doté d'un pouvoir ? Tu vois ? Ça t'intéresse, finalement. Oui, oui, ça m'intéresse. L'oracle de Trophonios. Je me demande si le culte s'y vit aussi ici. Qu'est-ce que c'est ? Fais attention. Il semble attiré par ce lieu. Je ne m'attendais pas à cela. Est-ce que c'est lié à... aux gens dont tu m'as parlé ? Les Mycéniens ? Je ne vois pas comment ils pourraient le savoir. À mon avis, c'est plutôt lié à Trophonios. Je vais les observer et tâcher d'en apprendre plus. Bien. Je vais aller voir à l'intérieur. Attends ! Prends ce fragment de stèle. Vois s'il y a des inscriptions similaires. Επικαλούμεσαι, μάκαρ πολιώνυμε, περίπολε και τελετάρχα. Επικαλούμεσαι, μάκαρ πολιώνυμε. Il parle d'un site funéraire.
On enterre les mules dans des endroits plus jolis. J'ai l'impression qu'on pourrait placer le fragment de stèle. C'est inattendu.